Anaëlle Franchet est mère de deux petites filles d'un an et demi et quatre ans. Après son premier accouchement dans cette unité des naissances du Chu Sainte-Justine, elle a traversé une période très difficile. J'ai sombré dans une grosse dépression post postpartum. À ce moment-là, j'avais aucune aide. Euh, ça a été impossible pour moi euh, de trouver un, un médecin qui pouvait m'aider. Elle craignait que cela se reproduise avec la venue de son deuxième enfant. Elle n'a pas hésité à demander de l'aide pendant sa grossesse. Au moment où euh, je suis rentrée à Sainte-Justine pour mon premier rendez-vous euh, de suivi. Euh, je l'ai dit tout de suite. J'ai dit, moi, ça va pas aller. J'ai été suivie euh, à Sainte-Justine euh, par le projet La Grande-Ours en psychologie pendant 15 mois. Elle a profité d'un programme unique au Québec baptisé Grand-Ours et mis en place au CHU Sainte-Justine en 2022 pour venir en aide aux mamans qui vivent toutes sortes de situations difficiles. C'est demander et eh vous comment ça va maman aujourd'hui et ça a changé littéralement la façon dont on a offert nos soins parce que maintenant on prend bien soin des grossesses on prend bien soin des bébés mais là, on prend aussi soin de la tête qui est juste au-dessus. Des fois c'est de les orienter vers un professionnel des fois c'est de les orienter vers des ressources communautaires il y en a des exceptionnelles ressources communautaires pour soutenir les parents. D'avoir une maison c'est très difficile d'avoir un logement mm -hmm. sécuritaire d'être capable de, de, de payer notre épicerie pour pouvoir manger. Grand ours va profiter de l'annonce du ministre pour la formation supplémentaire de personnel. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que plusieurs des problèmes que l'on peut voir, soit au niveau de la protection de la jeunesse, ou même la santé mentale de nos adultes ou de nos enfants, se, se cristallisent autour de cette période de, de, la, de la grossesse et de l'accouchement. Donc le but, c'est venir intervenir autour de la grossesse, à l'accouchement et surtout pour les familles les plus vulnérables. De ce 5 millions versés annuellement, 100 000 dollars iront à Préma Québec pour le soutien psychosocial des parents, 400 000 pour les nouveaux parents en cas de grande prématurité. 500 000 additionnels seront versés aux Maisons-Bleues qui aident les femmes enceintes et vulnérables. 1,3 million pour améliorer les services d'appels téléphoniques et de visites post-natales auprès de parents ayant vécu un deuil périnatal. À chaque fois que vous avez dans votre famille des nouveaux parents, c'est important de les aider, de leur demander comment ça va. C'est pas juste une histoire de professionnels de santé, c'est pas juste une histoire de femmes, c'est une histoire de société. Harold Gagné, TVA Nouvelle, Montréal.